sénateur Medard Oucha Asenga est parmi les personnalités et a beaucoup contribué au développement de la Grande Orientale. Raison pour laquelle les hommes politiques ne cessent de lui consulter pour avoir été pendant longtemps gouverneur de la Grande Orientale. C'est dans ce cadre que le député national Faustin Toenga Olokundo a rendu visite au patriarche Medard Oucha Asenga pour se ressourcer, car le notable a de l'expérience pour la gestion d'entité administrative. Le député national Faustin Toenga Olokundo explique le pourquoi de cette visite au grand patriarche de la Grande Orientale. Personnalité qui nous est chère. Et moi, j'ai un témoignage à faire sur sa personne, parce qu'il ne faut pas le faire toujours à un moment difficile. Il faut le faire de son vivant. Et quand j'ai été recteur à l'université de Kisangani, il était à ce moment gouverneur de province. C'est lui qui m'a accueilli et c'est lui qui m'a facilité la tâche pour gérer la grande université de Kisangani. Et c'est un homme dont l'expérience politique n'est pas à démontrer. Il n'y en a pas deux dans notre espace qu'on appelle l'espace Grand Oriental. C'est l'homme qui a la plus longue expérience politique et qui a la maîtrise des questions politiques, des questions économiques, des questions sécuritaires de notre espace et pourquoi pas de l'ensemble du pays. Donc nous qui avons aujourd'hui la vocation de faire la politique, il demeure pour nous une source intarissable d'informations, de renseignements sur ce que c'est la politique et comment faire la politique. Je pense que c'est une grande satisfaction pour moi. Je me reproche même d'avoir perdu beaucoup de temps parce que je n'ai pas eu l'occasion de les rencontrer depuis qu'il est malade, depuis qu'il a été à l'étranger. Mais aujourd'hui, le Seigneur a voulu à ce que je les vois et je suis plus que comblé de joie de les voir et de partager avec lui pendant un bon moment. Et je sors très satisfait de cette rencontre. De son côté, le député national Patrice Aouché Adricofis a félicité les gestes posés par son collègue en reconnaissant l'apport du sénateur Medard Oucha Asenga à le développement de la Grande Orientale. Et qu'il ne soit pas la dernière personne à venir rendre visite à papa, parce que papa travaille avec beaucoup de gens. Il y en a qui sont ici, il y en a qui sont ailleurs. Mais ceux qui sont ici, très souvent, ils viennent lui rendre visite pour le réconforter, pour apporter leur compassion avec cette maladie qu'il a connue. C'est normal qu'il soit malade parce que c'est inhumain. La maladie, on ne l'achète pas. La vieillesse aussi, on ne l'achète pas. Ce sont des choses qui viennent avec le temps. C'est le programme de Dieu qui s'accomplit dans la vie de chacun de nous. En tout cas, je suis plus que satisfait, comme lui-même a aussi déclaré qu'il était satisfait de l'avoir rencontré après une longue période d'absence. Il est reconnaissant de tous les services que papa lui a rendus et des conseils et tous les bienfaits. Il est resté très reconnaissant. Il a quitté la parcelle familiale avec une grande satisfaction. Pour rappel, la Grande Orientale a été démembrée à 4 provinces. Il s'agit notamment des provinces de la Tchopo, de l'Ituri, de Bas-Ouélé et du Haut-Ouélé. L'apport du patriarche Aouché Medard Asenga ne peut jamais être oublié.